10 mois sans péno, c'est le titre de cette partie, parce que aujourd'hui, on fête les 10 mois du dernier pénalty sifflé pour l'Olympique de Marseille, messieurs. 10 mois, c'est long, c'est le temps que met par exemple un enfant à commencer à marcher, hein, depuis de sa naissance jusqu'à ses premiers pas. Bah, 10 mois, c'est. Raconte l'anecdote, Romain, on est obligé. Ah. Au Fossé 1, juste après ce match, donc c'était contre Montpellier, on a obtenu un pénalty. On s'est dit, bah, tiens, on va mettre dans les statistiques des buts, des passes spécifiques, les pénaltys provoqués aussi, parce que c'est important en termes de stats pour être complet. Et puis, bah, depuis, on n'a pas eu un seul. Donc voilà, statistiques utiles. Voilà, donc cette saison, la case est désespérément vide. Voilà. Et on rappelle, c'était face à Montpellier sur une main ici, sur la ligne de but. Sur une tête de Rolando. Sur une tête de Rolando, exactement. C'est-à-dire que s'il ne le siffle pas, l'arbitre, ça va se voir. Voilà, c'est ça. Donc, obligé de le siffler. Oui, Max. Mais non, mais la vraie question, ce serait déjà si on n'avait pas eu d'occasion ou de, voilà, d'action nette dans la surface, on poserait une question qui serait, entre guillemets, inutile. Là, effectivement, sur les deux dernières rencontres, et quand on met aussi, alors là, on va dire qu'on est un petit peu parano, mais quand on met en parallèle avec les matchs de Lyon, qui, depuis quelques mois, j'aimerais bien, sur les 10 derniers mois, savoir combien. Calmé, pour être objectif, c'est ça s'est un peu calmé, mais il y a eu pas une période de temps, où non, alors on va se poser la question, comment ça se fait, comment on peut expliquer rationnellement, vous messieurs qui êtes tous soit des observateurs férus, soit des supporters, soit des anciens joueurs, même pour Karim qui a joué du côté de la GIA, je crois. Stade Lavallois, voilà. À l'époque, c'était les deux clubs formateurs, avec Michel Luminaire et Guillaume. Bref, très bon club aussi, mais comment tu l'expliques ça, dix longs mois sans obtenir le moindre pénalty, Karim. C'est incroyable. C'est incroyable, d'autant qu'il me semble, alors après je suis peut-être un peu parti pris, alors pour le coup, qu'il y a quand même des actions un peu indiscutables, des actions de jeu indiscutables. Sur Gustavo, bah, sur Dimois, on en a quelques-unes. Mais là, très récemment, ouais. Sur Gustavo, je sais pas comment tu fais pour pas siffler le pénalty. Tous les observateurs qui commentaient les matchs, que le partageaient, Gustavo touche le ballon, il est pris un sandwich. On a les images, c'est Nicolas Chabert à la photo. Il est gêné par une hanche qui se met au milieu, qui l'empêche de pouvoir aller rattraper le ballon qu'il a touché, donc en pleine dans la surface, ça me paraissait tellement indiscutable. Bon, après l'appréciation de l'arbitre, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut en dire. Moi, j'ai pas envie de tomber dans la parano, mais ça fait beaucoup quand même, dis-moi. Ça fait beaucoup. Dis-moi, Mathieu, dis-moi toi, mais dis-moi ce que tu penses des 10 mois. Bah, c'est les stats, j'ai envie de te dire, c'est comme les 40 ans sont gagnés à Bordeaux, il y a des trucs comme ça, c'est un peu le côté lunaire et surréaliste du foot, irrationnel, même si là, je suis d'accord avec Karim, il y avait pénalty sur... Est-ce que tu peux rassurer les supporters, il n'y a pas de complot Il n'y a pas de complot, et je pense qu'on n'a jamais eu contre... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser de sérieuses questions. Oui, mais ça c'est les Marseillais... Tu fermes ton Twitter 24 heures et tu verras, le complot aura disparu. Moi, ce que je vois quand même, et justement pour revenir sur le fond des affaires, c'est qu'en fait ça n'impacte pas sur les 10 mois là que j'ai suivi. Si tu veux aller sur le fond des choses, j'ai pas vu un arbitrage ni favorable ni défavorable à l'OM, à part peut-être contre Konya où c'était un peu foufou, un peu spécial. Mais sinon, il est dans son rôle, Garcia, de le dire hier pour Gustavo, parce que voilà, faut faire un petit peu de lobbying, ça marche aussi comme ça. Ouais, ça marche pas pour l'instant. Ça a pu marcher par le passé, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Du point de vue, donc, que ce soit Olas ou La Brune qui était très tatillon là-dessus. Mais voilà, moi, je suis pas du tout alarmiste sur ce que je vois en ce moment, sur ce que je vois depuis. Ouais, je vois pas non plus 150 000 pénaux contre l'OM, il y en a un de temps en temps. Je suis pas choqué du tout par rapport à... pour revenir à la période Bielsa, quoi. Où là, tiens, c'est ce que nous dit Jeff. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est une parole très sage, parce que sous Bielsa, effectivement, il y a eu des vrais problèmes. Il y a eu un arbitrage qui était quand même défavorable sur de nombreux matchs. On se rappelle notamment de ce match à Bordeaux. On va le lire, son tweet, Autant l'année avec Bielsa, on avait vraiment un mauvais arbitrage. Autant là, faut pas tomber dans la parano. Voilà, c'est bizarre. C'est exactement ce que je pense. C'est vrai qu'on n'a pas, ce que disait Mathieu, le souvenir d'un match sur ces 10 derniers mois où l'OM s'est fait voler. Voilà, il y a eu peut-être une action ou. Par contre, mais derrière, on a quand même un souvenir. Enfin, on tombe pas dans la paranoïa, mais c'est très fréquent qu'à la fin de match, on dit. Non, mais quand même, il nous a pas sifflé le péno sur cette action. Non. Oui, mais tu expliques pas la défaite, tu expliques pas la victoire, tu expliques pas un match nul.
Voilà, t'expliques pas, t'expliques pas le résultat de l'OM avec ça. Mais là, je me souviens très souvent être allé dans une mixte, C'est vrai que tu prenais l'exemple du match de Konya Sport. Je veux dire, ça peut te coûter. Alors, tu peux prédire que derrière, l'OM n'a pas été bon, tout ce que tu veux. Mais regarde, c'est pour ça que je te donne l'exception de Konya. C'est pour ça que je te donne l'exception. Mais regarde, il y a eu un péno pour Nice contre l'OM qui finalement a été sifflé à 4-2, qui a été détourné par Mandanda, qui n'a pas eu d'importance, mais qui était sifflé à 4-2. Donc, tu vois, il faut aussi voir le moment du match où il est sifflé. Mais bon, je vois pas, honnêtement. Marseille, c'est une équipe qui prend beaucoup. On peut aller sur les cartons. Les cartons jaunes, les cartons rouges. Ou Marseille, une équipe qui est beaucoup dans l'engagement. Donc, qui prend beaucoup de cartons. Ça, il y a des raisons, un peu scientifiques, rationnelles, tu vois. Mais sur les pénaux. Il y avait un pénaux récemment provoqué par Adil Rami à Bordeaux, je crois, qui nous a pas été sifflé contre nous. Oui. Voilà, faut voir aussi dans les deux sens. J'arrive à tomber dans la parano, mais la même action que Gustavo Neymar au parc, il y a pénaux, c'est indiscutable. Indiscutable. Il faut le dire quand même. Ça, Neymar. C'est pas de la parano. Ça, c'est pas contre c'est de la lucidité. Ça, c'est pas contre l'OM. C'est de la lucidité. Vous avez vu le but de Thauvin. Qui est quelques minutes, qui doit être 7 minutes après, l'action de Gustavo. Ouais. L'action de Gustavo, je pense que la plupart des défenseurs guingampés savent qu'ils ont échappé à l'échafaud. Sur le but de Thauvin, regardez bien comment ils défendent les guingampés. Ils défendent comme des ballerines. Dans la surface, ils veulent pas le toucher justement. Là, ils savent qu'il y aura pas de mais justement, mais je te dis sur la psychologie des mecs. Si tu veux, c'est peut-être aussi parce que t'as pas eu de péno là que là ils savent que. Regarde bien comment ils défendent. Regarde bien comment ils défendent. Regarde, ils osent pas y aller parce que ils osent pas y aller. Tu vois bien Tabanou. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que encore une fois, on n'a pas pour l'instant des matchs qui ont été faussés par l'arbitrage concernant l'OM récemment, en tout cas. Bon. Comparé à l'époque de Bielsa, pour moi. Si ça vous convient. Parce que finalement, presque on pourrait croire que les autres défendent mal parce qu'on ne nous a pas sifflé de pénalty avant. Je comprends ce que tu expliques, mais. Le football, c'est un peu de psychologie. C'est pas une théorie du complot. C'est pas trois Illuminati qui sont là avec les mecs de la LFP en disant ah ben on va pas mettre de pénalty à l'OM aujourd'hui. Tu es en train de me dire qu'à la fin du match, tu te dis ils ont pas sifflé. Mais les gars, il n'y a pas de consigne. À la fin du match, tu peux refaire le match. Mais comme là. Là, il y avait pénalty pour Gustavo. Voilà. Mais à la fin des matchs, ça arrive souvent que tu te dises. Et t'en auras peut-être 3 en décembre. Mathieu, ce que je dis, c'est qu'à la fin des matchs, ça m'est déjà arrivé souvent de me dire ben là, il y avait peut-être pénalty. Mais au-delà, moi, j'ai pas mis d'être enfermé dans y a-t-il complot d'Illuminati ou y a-t-il pas du tout complot. Je pense qu'on peut aussi analyser le contexte d'influence. Ce qui peut exister autour de certaines équipes et pas d'autres et qui mettent les arbitres dans un certain état d'esprit, Gustavo, donc on le voit comme un garçon plutôt agressif, les galettes il en prend donc il en prend peut-être parce qu'il fait moins de fautes lui, mais je veux dire quand il en fait on lui pardonne rien. Et ce que je veux dire par là, c'est que les mêmes fautes sur certaines équipes qui bénéficient d'éléments d'influence positive seraient sanctionnées par un pénalty et sur d'autres non. Je dis pas que c'est anti-OM, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Non. Je dis que si tu es au Parc des Princes avec des mêmes types d'actions et les mêmes fautes, ça termine par un pénalty. Tu es en train de m'expliquer que la situation du PSG au classement et le jeu produit et tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison est impacté par le nombre de pénalty. Le pénalty du 4-0, on s'en fout un peu, Karim. Donne-moi des exemples sur Lyon et Monaco, par exemple. Si tu te regardes l'ensemble des pénaltys qu'a Lyon, et là je peux te dire qu'on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, ils ne sont pas systématiquement évident, voilà. Mais ça leur facilite grandement les rencontres. Saison 10 d'X-Files, c'est plus on va voir d'où vient le complot. On ne dit pas qu'il y a un complot.
on essaie de te dire que parfois à 0-0, il y a des situations où l'OM est dans le ton équipe est dans le dur. Explique-le-moi. Mais je suis en train de signer. Non. Là, tu me donnes un fait. Tu me dis, ça fait 10 mois qu'il n'y a pas eu de pénaux. Explique-moi pourquoi. Mais je ne sais pas, c'est le thème du débat. C'est la question que je me pose. Ok, oui, mais c'est pareil. Alors donc, non, mais si tu veux. Et justement, j'ai pas la réponse. A-t-il existé ou pas? Je ne sais pas. Mathieu, j'ai pas la réponse. Je te dis humblement, c'est pas la réponse. C'est parce qu'on ne le comprend pas. C'est parce qu'on dit. Mais personne ne m'a donné une explication crédible non plus autour de la table. C'est pas. C'est justement parce qu'on dit qu'il n'y a pas. Mais oui. C'est justement parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'éléments rationnels que nous ne sommes pas dans la théorie du complot. Si nous étions dans la théorie du complot, on sortirait des éléments de que, et comme nous n'avons pas effectivement, moi, personnellement, je dis qu'il y a des éléments, un contexte d'influence. L'OM a bénéficié de ce contexte. Il y a des saisons par le passé où les arbitres sifflaient en notre faveur. Donc, le dis tranquillement. Mais dire que ça n'est pas le cas aujourd'hui, est-ce que c'est dire que c'est les Illuminati qui font le football français? C'est pas le cas. Est-ce que c'est dire que Paris Saint-Germain est premier que parce qu'il bénéficie de pénalty? C'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'une équipe, c'est pas vague. Un contexte d'influence, c'est un homme, un arbitre, qui a une demi-seconde pour siffler. Selon l'équipe qui est l'arbitre, avec le contexte autour de cette équipe, il sifflera plus facilement que d'autres. Nous n'en avons bénéficié par le passé. Nous n'en bénéficions pas aujourd'hui, d'autres équipes en bénéficient. Voilà, c'est pas la compréhension. Juste, rapidement, Max, et je te donne la réponse. Si tu souhaites, Mathieu. Rapidement, et il faut qu'on avance. Moi, j'ai l'impression aussi que toutes les équipes, et ils ont raison de le faire, on en a parlé juste avant, ils ont raison de, les entraîneurs, les présidents des équipes qui jouent contre l'OM, systématiquement, c'est, bah, de toute façon, on joue contre l'OM, Gourvennec l'a fait récemment quand on a joué contre Bordeaux, et je me demande effectivement si, quand tu arbitres l'OM, au final, tu te dis pas, à l'inverse, justement, le raisonnement inverse, je vais peut-être pas siffler un penalty ou un truc ou, qui est pas évident, parce que derrière, on va encore nous reprocher d'avoir avantagé, oui, peut-être, parce que tout le monde le voit aussi, parce que le match est plus c'est diffusé. Absolument n'importe quoi. Si tu prends, toutes les déclarations des entraîneurs et présidents l'an dernier, écoute, tu regarderas systématiquement, il y a des déclarations sur Lyon. Tu vois, Gourcuff, Vassiliev, etc., Duprat. Sur Marseille, il y a eu Gourvennec l'autre fois. D'ailleurs, tout le monde a rigolé. T'es d'accord? Voilà, donc tout le monde a dit. Il y en a très peu sur Marseille. Qui... C'était sur Lyon, effectivement, où il y a eu un cas l'an dernier, où beaucoup de dirigeants sont revenus sur un arbitrage lyonnais. Mais à part ça, non, sur l'OM. Non, mais vous avez raison, les mecs. C'est vrai qu'on a des arbitres contre nous. Les équipes jouent leur match de l'arbitre aussi contre nous. Je ne sais pas exactement ce qu'on a dit. Tu as vu caricaturer notre faux pour nous mettre dans la peau de supporters benêts qui penseraient qu'on a le monde contre nous. J'ose espérer qu'on ait un peu plus classe que ceux qui nous écoutent. J'ose espérer que ceux qui nous écoutent, chacun est un peu plus objectif. Chacun se fera sa religion aussi. Mathieu a peut-être aussi raison. C'est difficile. Pour moi, il a pas tort, j'ai pas raison, c'est pas le sujet. On est obligé d'avancer. On a le droit de pas avoir le même avis, c'est tout. Exactement, et c'est ça le débat, évidemment. Messieurs, on avance, on va passer tout de suite. On va sauter la partie 5 qu'on fera dans un prochain talk et on passe à la partie 6. On va faire la compo de l'Olympique de Marseille. Le coach, c'est nous.